interpretation in the simultaneous way. And also, if you want, if you would you mind to hear the panelist in Turkish, you can choose the Turkish option, and the panelist will continue speaking English, but you can hear Turkish translation. If so many people are there, we are already on time. I would like to keep going on a little bit. Again, everybody, hi, hello, welcome, you're welcome. This is our webinar for FEDIF. This is Emre from FEDIF. I personally thank all of our attendees, all of our panelists are there. Today we have got very important people here to present us some challenges, opportunities, and the contributions of the migrants on French labor market. And the other important point for the asking the questions, if you would like to ask the question, when the panelist carries on his or her presentation, you can write your questions on the chat or Q&A part. On the bottom, you can see two menus, either question and response, question and answer, or discussion version. It's available for you for asking the questions to the panelists. After the presentation of yourselves, I will ask the questions, I will ask your questions to them. And after then, if you want to contact with these institutions after the panel, after the webinar, it's enough to send us an email. I will write a little bit after our email address, info@fedif.fr. Our email address is served for us for your further needs. And now it's time to start our webinar. I would like to start with my colleagues from Brussels, Maria Grazia on the other side of the webinar. Maria, she makes the presentation of the MAX project many times before, but perhaps it's the last time for us. Thank you, Maria, for welcoming our section to webinar. We are listening to you. Thank you, Emre. Thank you very much. And welcome to all the participants and all the panelists of today. So I'm from UNITE. So I'm the project coordinator of MAX project, thanks to which we are today doing this webinar. I will be sharing my screen with a presentation of what is MAX. So MAX means Maximizing Migrants' Contribution to Society. It's a project, it's an EMIF-funded project, so an European-funded project, who has the main goal to improve the public image of migrants in Europe. We have 12 countries participating in the project, and the main goal is to change the narrative around immigration discourse. Which are the tools and are with whom we are doing this? Basically, storytelling, it's the most important thing. Then creation of positive messages for the media and dialogic encounters between locals and newcomers. This is an overview of the partnership. So we have 19 partners from all around Europe. So we cover Southern Europe, Central Europe, Western Europe and Eastern Europe, and it's a very big consortium, and also the impact of MAX project is really representative of a lot of realities in Europe. The main goals of the project, and so MAX started in two years ago, so we are already very good, in progress with all the progress of MAX project. So we have done up to date, three reports on the impact of migrant population in Europe. We delivered 50 success stories that journalists wrote for us after having a training by the local. There is a new newsroom, an European newsroom, who delivered the SOJO training, the solution journalism training,
to young journalists, senior journalists, and students in journalism. Then a set of 20 messages aiming to improve the public image of migrants in Europe that were issued from the reports that our partners prepared. And then a database of good and bad practices in the 12 countries involved in the project. So again, this is a short overview of the training for the media professionals that we delivered last year in online format. And the main goal of this year, so this 2021, is to organize 15 diversity dialogue fora, so events like this one in which we are involved right now, and a final European Diversity Festival and a conference, so the final conference of the project that will be hopefully held in Brussels in October, November this year. The diversity dialogue fora should be seen as a common platform for third countries nationals, local residents, and public administration to overcome stereotypes and misconceptions around the immigration discourse in Europe, and to highlight also the contributions of migrants into European societies as a whole. This is basically the project. So it's a very intertwined one. So we really tried to put together all the major channels to underline the diversity of the contribution of migrants in Europe. And even though the pandemic outbreak really represented a struggle for the events, because they were obviously foreseen to be in person, so in all the 12 countries in person, we really try to overcome these difficulties and this challenge by making the disadvantage becoming an advantage, and then try through the online format to gather even more people and an even more diverse audience. You can find more of about Max on our social media. We are on Facebook, we are on Twitter, and we also have our website, so maxamif.eu. And I really thank you, Fedif, that is one of our partner in the project. This is the first event that they will be hosting, and then it will be a second one on the 24th of March, more focused on the role of education in the French society in particular, in the inclusion of migrants and migrant children as well. That's all from my side. Thank you once again, Emre, and enjoy this this meeting. I hope you will enjoy this meeting as much as Thank you very much, Maria. Thank you very much. I would like to say something about today's event. Firstly, we are discussing a little bit how could we organize such an event for the newcomers. Firstly, we talk about a little bit something like the Forum des Métiers, something like that. But anyway, in the pandemic reason, we should be organized in online. But anyway, today we have so many important institutions representatives, and they will present you their instructions and their modalities to serve the newcomers. I would like to talk about a little bit Fedif, and after that we will start our webinar with and do our job. The network of FEDIF has founded in 2006 in Paris to assist the French-Turkish entrepreneurs. With the inclusion of the newcomers in the years of mostly 2016 and 17, FEDIF has decided to open its wings to the newcomers, establishing FEDIF Career to support their integration to French society, especially in terms of finding jobs and supporting their careers. My job is FEDIF. I am representative of FEDIF in Max project. And today, the program targets on this public to improve new approach for the newcomers.
We have guests coming from the institutions and networks. We would like to start with Duo for Job with Stephanie Biesman, directrice of Duo for Job. Before Stephanie, I would like to say some brief information about Duo for Job. Duo for Job was born a double observation. Firstly, there is an inequality access to labor market for the young job seekers, people coming from the migrant background. And the other one, the people over 50 years old, mostly in Belgium, have one of the lowest employment rates in the Europe and face a lack of appreciation of their skills. By bringing these two together, Duo for Job aims to help eliminate the inequalities in access to the labor market for young people with a migrant background. To recognize the knowledge of the moreover the elder persons over 50 years old and the combat of discrimination by creating the social cohesion and understanding and local solidarity. Duo for Job created France for about 3 years ago, and we would like to listen Stephanie Biesman about the representation about the Duo for Job. You're welcome, Stephanie. Thank you very much, Emre. I'm going to turn on my clock and make sure I don't go beyond 10 or 8 to 10 minutes and shut down my phone. So thank you very much for inviting me to this dialogue. So thank you, Fedif. Thank you to all the partners of the Max project. Like Emre explained you, I am the director of Duo for a Job in Paris, or in the region of L'Île-de-France. And this organization is indeed an organization that has seen the light in Belgium in 2012, and that after a phase of expansion within Belgium has decided to go beyond the frontiers and create a first antenna in Paris. So we are in Paris since mid-2019, and I'll explain you during my short presentation what we actually do. First of all, the main idea, and I hope everybody can see my screen, but normally that should be okay. I'm sorry because there is some a mix of French and English in my d'anglais et de français dans ma présentation, donc je m'excuse. Et donc l'idée principale est l'approche qui concerne Dual by Facte, donc Dual by Job, donc c'est que la diversité est un choix, mais l'emploi est une obligation. Donc, il y a donc deux publics auxquels on s'adresse. Nous avons donc des mineurs issus de l'immigration, et puis après, de l'autre côté, vous avez les seniors, les gens âgés de plus de 50 ans. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux groupes de personnes? Tout d'abord, pendant donc à l'occasion, donc nous avons pu constater que, bien entendu, ces publics ont des problèmes en ce qui concerne l'entrée sur le marché du travail. L'emploi donc est un problème. Et en France, il y a donc il y a un taux de chômage qui est assez élevé dans ce public, et notamment dans les seniors. Et donc, au début de ce projet, on a pu constater donc que ces gens ne sont plus actifs donc dans la société, donc ils ont l'habitude d'être au chômage, donc et ils sont inactifs. Et à ce moment-là, on a décidé de faire quelque chose parce qu'il y a donc il y a pas mal de compétences et donc, nous avons donc des projets pour les mineurs et issus de l'immigration et pour les seniors.
Et donc, nous avons trois missions. Nous essayons donc. Et nous essayons bien entendu le but d'augmenter la cohésion sociale, d'améliorer la cohésion sociale. Donc il y a donc on peut aider les jeunes on aide les jeunes qui sont à la recherche active d'un travail ou des jeunes qui sont issus des migrants, des pays. Donc, nous avons des jeunes qui sont nés en France, mais qui sont issus de l'immigration et qui peuvent donc demander une aide dans la recherche d'un emploi. Ils doivent parler soit français, soit anglais. Donc, et puis après, et les jeunes, donc, sont appuyés par des mentors et donc ce sont des gens qui ont une expérience professionnelle et ils doivent être disponibles pendant 6 mois, c'est bien la durée du projet. Et puis après, ils doivent avoir la volonté donc de fournir un soutien à ces jeunes. Voilà donc. Notre méthodologie est établie dès le début du projet. Il y a pas mal d'étapes, donc on essaye donc. Il y a une première étape dans laquelle nous avons donc des entretiens pour expliquer donc le projet, et donc il est très important pour nous de savoir qui est en train de travailler. But it's actually obligatory or compulsory. So each mentor needs to be trained by. Et chaque mentor doit être donc formé par notre institution. Et donc une fois que le travail commence, on va signer donc un accord qui s'étale sur les 6 mois. Et pendant 6 mois, donc les jeunes est accompagné pendant en entreprise. Donc pendant ce contrat de 6 mois, donc l'aide est fournie soit pour chercher un boulot, soit pour appuyer donc le mineur au sein de l'entreprise. Et puis après, tout est suivi par un coordinateur. Moi, par exemple, je suis pas mal de gens qui ont donc un coordinateur qui doit vérifier que les entretiens ont lieu, etc. Donc, en ce qui concerne l'impact, donc nous avons donc nous avons 5 stagiaires. Et nous avons créé 3000 duos et les résultats ont été importants parce qu'on a pu décrocher un boulot après un an. Nous avons une population de 1000 tuteurs et puis après, les tuteurs ont décidé de répéter leur expérience et tout comme pour les entreprises. Donc, on peut voir que pour les jeunes, en fait, les jeunes augmentent leur auto-estime et ils ont donc pu renforcer leur auto-estime. Ils ont pu détecter des projets professionnels. Ils ont le sentiment donc de gérer, de maîtriser la recherche de l'emploi. Pour les tuteurs, on a pu constater qu'il y a un avantage qui se dégage de ce projet parce qu'en fait, les tuteurs ont le sentiment de pouvoir transmettre leurs connaissances et ils apprennent pas mal de choses, et notamment en ce qui concerne la communication interculturelle, le militantisme aussi, etc. Et c'est très bien pour eux d'être impliqués, donc d'avoir un projet qui les engage. Voilà donc, il est très facile de participer. Donc, nous n'avons pas de sélection, nous n'avons
que de critères d'éligibilité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, voilà. Si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent donc visiter notre site Internet et ils peuvent s'inscrire à la première étape de ce projet. Puis après, ils seront invités à participer donc à l'entretien direct avec nous pour avoir toutes les informations nécessaires. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Pour ce qui me concerne, je voudrais poser quelques questions par rapport à votre institution, parce qu'en fait, est-ce que vous avez donc des chercheurs d'emploi qui veulent participer, qui pourraient participer donc à ce projet en dehors de Paris? Et puis après, en ce qui concerne Dual for Job, est-ce que vous avez donc des conseils à donner aux chercheurs d'emploi? Parce que, par exemple, on est à l'époque de la numérisation, donc est-ce qu'ils doivent faire quelque chose d'autre? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par la première question. Effectivement, tous les tuteurs donc doivent habiter la région de l'Île-de-France. Ça, c'est très important parce que malgré la numérisation, donc ils doivent se voir, se rencontrer. Notre programme est axé sur les relations individuelles. Bien entendu, là, on peut pas travailler toujours aussi à l'Internet. Et donc, même s'il faut bien aujourd'hui, mais de toute façon, nous conseillons à nos tuteurs et à nos candidats de se retrouver ensemble. Donc, voilà la raison pour laquelle on ne travaille que dans l'Île-de-France. Mais de toute façon, on a la volonté donc de nous élargir. Voilà la raison pour laquelle on souhaite élargir notre activité à Lille. Et puis après, on va aussi à Marseille. Notre souhait est d'aller dans notre ville, mais ce sera pour ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, en Belgique, nous avons une unité et une antenne, et l'idée donc est de créer la même situation que la situation qu'on a en France. En ce qui concerne les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui, vous avez parlé de la digitalisation, de la numérisation, MRE. Effectivement, il y a des jeunes qui entrent en contact et ceux qui ont besoin d'aide, en fait, sont bien conscients du monde numérique, connaissent, maîtrisent mieux les outils numériques. Et ceux qui ont plus de problèmes à avoir un ordinateur, par exemple, on peut leur prêter l'ordinateur. Bien entendu, les compétences numériques sont très importantes, mais il y a des jeunes il y a des jeunes qui ont des problèmes dans le sens qu'ils n'ont que le GSM, et c'est pourquoi on va les appuyer. Et nous essayons donc d'ajuster l'appui sur la base des ressources qui sont à la disposition de ces jeunes. Et merci beaucoup. Mais j'ai aussi une question qui concerne he was born in 1987
Some guys, some friends would they would like to participate your action voilà. The 35 36 years old, if it is possible or not. Unfortunately it's not. Donc, les personnes qui dépassent l'âge admise. En fait, les jeunes doivent être âgés de 18 à 23, donc effectivement, il faut donc s'inscrire avant le 24 ans, et, parce qu'en fait, on ne peut pas aider les gens âgés plus de 25 ans. Donc maintenant, on n'est pas encore sur l'intergénérationnel. Donc, il y a deux groupes de personnes que l'on souhaite aider. Donc, si on dépasse ces couches d'âge, on n'arrive plus, on n'arrive pas à les aider. J'espère donc qu'on pourra rester en contact. Je ne sais pas si donc il est we can find a way to reach Stephanie. Donc nous pouvons trouver. We passed the next panelist. The other side of the microphone is Yama Sarash. Nous avons Yama. Yama qui est une jeune entrepreneur de Pays-Bas et qui est né en Afghanistan. En fait, il s'agit donc d'Ayama qui est un sportif professionnel et il va travailler aussi. Il va travailler aussi auprès du Comité olympique français. Et merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu, Yama. Merci de votre présentation. Merci donc de m'avoir accepté ici, de m'avoir invité. So I promise you to keep it short. So I'll show you my pitch deck. I'll tell you my startup, what I'm doing, and maybe we can use this for the panel. Peut-être donc que nous pouvons utiliser cela pour le panel, tel que vous avez dit tout à l'heure. Je suis né en Afghanistan, mais j'habite les Pays-Bas. Je suis ingénieur de formation et j'ai un diplôme en gestion stratégique. Et donc, j'ai des diplômes, mais de toute façon, j'ai voulu changer des choses dans ma communauté. Je ne voulais pas être entrepreneur parce qu'en fait, mon père était ingénieur, ma mère était vétérinaire, donc j'ai toujours été plongée dans ce monde universitaire, académique, doctorat, et j'en passe. Donc, quoi qu'il en soit. Et j'ai choisi le boxe, donc cela m'a beaucoup aidé. Ce sport a été très utile, donc voilà mon histoire. Je voulais donc utiliser le sport pour intégrer les réfugiés, les migrants, mais aussi booster donc la cohésion sociale des migrants. En 2010, j'ai grandi aux Pays-Bas, donc je me suis toujours interrogée sur mon identité. Donc, j'ai décidé de faire un voyage à un moment donné. Je suis allée en Afghanistan et en 2010, donc, et j'ai donné des cours de boxe aux
garçon là-bas. Et donc, et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser donc des activités afin que je puisse pour entraîner donc aux Pays-Bas et dans d'autres pays en développement comme Kosovo, par exemple. Donc, et dans ce pays, il y a pas mal de traumatisme. Il y a l'absence donc d'investissement public dans la santé et dans le sport aussi. Et quoi qu'il en soit, pas mal de gens issus donc des pays en développement et des pays en conflit, donc qui viennent en Europe, en France, des personnes, des gens qui ont pas mal de problèmes, difficultés, problèmes mentaux, et il y a un manque de prise de conscience à cet égard. Donc, à mon sens, le sport est un outil très important pour faire quelque chose, parce qu'en fait, dans cette communauté, il est très difficile de parler des problèmes psychiques et problèmes mentaux. Voilà la raison pour laquelle j'utilise le sport comme un outil. Cela nous permet aussi il est très important aussi le côté financement qui doit être durable. Et il y a aussi des problèmes aussi dans les banlieues de Paris. Et maintenant, ce discours. Ce qu'on a essayé de créer, donc, on a cet outil pour le boxe et finalement, via une appli, on peut avoir donc un entraîneur direct. Donc, on peut aussi avoir des compétitions au niveau local. Puis après, vous avez donc le dernier. Nous avons donc décidé de créer ces deux modèles. Et donc, il y a un modèle pour les régions les plus pauvres. Puis après, vous avez un autre modèle pour de plus sophistiqué. Et ça, c'est donc le business model, le modèle de business de cet outil de caoutchouc. Et donc, il est très important. Mon objectif est de créer un produit de haut niveau qui me permet de développer mes activités au niveau social. Donc, on a créé un prototype aux Pays-Bas et puis après, nous avons donc fait une sélection et donc je voudrais pas m'arrêter sur le côté technique. Donc s'agit donc d'un développement de très long terme, donc de très long. Donc avec cet outil technique, donc vous voyez qu'il s'agit donc d'un projet qui est très compliqué, qui est axé sur la recherche, sur l'électronique, etc. Donc nous avons impliqué pas mal de personnes qui nous ont appuyées dans cette mission. Donc à Paris, j'ai de très bonnes connexions avec le comité national de sport et le comité olympique français. Donc, vous avez donc les investissements qu'on a réalisés cette année et nous allons donc. Donc, notre idée est de vendre ces outils de boxe dans pas mal de pays. Donc, on peut placer donc ces punching bags dans les espaces publics. Je suis très content donc d'avoir ce réseau de soutien. Donc, vous avez Station F à Paris, puis après Startup, donc un accélérateur. Et puis après, vous avez aussi le Grand Paris Sport Incubator Programme. Et puis après, vous avez donc les Jeux Olympiques 2024. Et puis après, il y a donc un expert qui a été sélectionné et qui a été considéré comme... Voilà donc pour ce qui concerne mon expérience, j'ai pu donc avoir... Nous avons travaillé aussi avec la Croix-Rouge
et je suis très content en fait des activités qu'on va déployer ensemble. Voilà donc pour ce qui est de ma présentation. Maintenant, je voudrais me pencher sur l'expérience en France. Ce que j'aime en France, School 42, je pense qu'il s'agit en fait de la période la plus intéressante parce qu'en fait, j'ai passé deux mois et puis après, vous avez Station F et une autre, mais de toute façon, c'est pas quelque chose de franco-français, mais j'ai beaucoup apprécié ça, un haut niveau d'ingénierie et de recherche scientifique. Et puis après, vous avez l'innovation, la politique d'innovation, l'entrepreneuriat. Vous avez donc Startup Nation, le capital de risque, un autre volet important. Et puis après, les Jeux olympiques qui sont une opportunité très importante pour nous. Et puis après, nous allons... Il y a un projet pour le Grand Paris. Donc là, vous avez donc des investissements publics qui seront très utiles. Ce que je n'aime pas de ce pays, c'est la bureaucratie et puis après la mentalité et l'attitude par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est tout à fait différent par rapport aux Pays-Bas. Et puis après, il s'agit d'une société organisée en classe, donc dans le sens qu'il est très difficile d'avancer si on n'est pas né au bon endroit, alors que la société des Pays-Bas est plus flexible. Et puis après, vous avez aussi, donc les gens ont tendance à avoir des attentes très bas par rapport aux migrants. Et donc là, il y a un travail que je fais avec des organisations locales. Et donc, ça, c'est trop... Donc, on m'a dit pourquoi est-ce que tu n'as pas un projet dans le secteur des aliments, donc de la nourriture. Moi, je trouve ça un peu limite. Puis après, vous avez des initiatives d'inclusion et de diversité, donc comme ça. Mais là, c'est un peu triste. Je pense que le secteur privé est plus inclusif par rapport au secteur public. Donc, la diversité, l'inclusivité, c'est quelque chose de très important, pas seulement pour la justice sociale, c'est un besoin social. Donc, c'est quelque chose qui doit être abordé. Et je pense que les migrants peuvent donc apporter cette mentalité entrepreneuriale en France. Je pense que l'entrepreneuriat, donc, est la façon la plus adéquate pour grimper l'échelle sociale, pour booster la mobilité sociale en France. J'espère que ce n'est pas rebarbatif. Non, pas du tout. Merci beaucoup. On apprécie beaucoup votre contribution parce qu'en fait, vous avez atteint pas mal de résultats en 2 ans. Et donc, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis après, je voudrais souligner que la situation pour Yama, il vient d'arriver en France, mais effectivement, il est en train d'apprendre français. En fait, je ne connais pas son niveau de français, c'est peut-être A1, A2, mais de toute façon, il a atteint ses objectifs en parlant en anglais, parce qu'à l'époque, il ne maîtrisait pas le français. Donc, rien qu'avec son anglais, il a pu atteindre ses résultats. Cela montre bien qu'il faut aller de l'avant et bon courage, Yama. Maintenant, nous avons donc le prochain intervenant, l'intervenant suivant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la messagerie et vous pouvez donc écrire, poser vos questions soit en turc, soit en français. N'hésitez pas donc à poster vos questions maintenant. Je voudrais donner la parole à Faire, qui est une autre institution qui est axée basée à Paris. En fait, leur mission est d'aider les réfugiés afin qu'ils puissent devenir entrepreneurs de succès.
En France. Christina, she's with us today. Christina est avec nous aujourd'hui. Christina vient du Canada et après son diplôme, elle s'est installée en France. Et puis après, nous avons Gaës et nous essayons, nous voterons. Nous voulons donc nous donnons la parole à Christina afin qu'elle puisse nous expliquer comment il travaille, la façon dont il travaille pour appuyer donc les entrepreneurs. Et Gaës donc va nous expliquer son expérience. Voilà, s'il vous plaît, n'oubliez pas de poster votre question dans la messagerie. Merci beaucoup, Emre. Merci donc de votre présentation et merci donc à Fedif et merci donc de m'avoir invité. Il est très intéressant donc d'avoir les différentes organisations qui peuvent expliquer leur expérience. Je pense que Christina est mutée dans le sens que là, mutée. Et que, voilà. Okay, hopefully I'm not going to touch anything. It would actually look like the host muted me, but there we go. So as long as everyone... I'm not going to share a presentation with you. I'm just going to speak to you a little bit about FAIR. And then je voudrais donc vous expliquer FAIR, et puis après je vais donner la parole à Gaës, qui est le premier entrepreneur. FAIR est un outil philanthropique, parce qu'en fait, qui a été créé par... par un réfugié qui a fuyé en fait en Thaïlande et pour qui donc et qui a tout quitté de Thaïlande et son expérience en fait l'a poussé à créer FAIR parce qu'en fait ce qu'il a pu vivre dans son expérience lui a fait comprendre pas mal de choses. Tout d'abord les compétences qu'il a dû avoir pour fuir son pays et s'installer dans un autre pays sont énormes, sont les mêmes compétences des entrepreneurs de succès. Et puis après, et il s'est rendu compte que sa situation, à partir de sa situation, il fallait donc faire quelque chose. So that's kind of the story. Donc voilà donc l'histoire qui se cache derrière FAIR. Notre mission est bien d'appuyer les entrepreneurs réfugiés. Là, et il y a pas mal de domaines d'action parce qu'en fait nous travaillons au niveau de financement. Il y a deux programmes de financement pour les entrepreneurs réfugiés. Et puis après nous avons un programme de soutien donc qui est un programme qui a vu le jour, FAIR a vu le jour en 2015, donc et nous avons mené un rapport pour analyser l'écosystème des pépinières, ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait faire pour ces entrepreneurs. Nous avons donc pris en examen d'autres opportunités qui émanent d'autres recherches. Ce que le programme de... En fait, nous essayons de donc nous impliquer pour changer la narrative parce qu'en fait on essaye de permettre cette transition de l'humanitaire à l'entrepreneuriat et pour ce faire il faut mettre l'accent sur la valeur des migrants pour notre société, des migrants qui doivent avoir accès aux opportunités qui
consiste donc, et il y a deux façons de travailler. Nous avons donc, nous travaillons dès le début de la création d'entreprise, le premier programme est un programme de dons, et nous travaillons avec des partenaires comme Interculturel Combo Programme, et nous appuyons donc les programmes de pépinière à un lion. Et donc, il s'agit d'un programme très novateur qui est axé sur le développement de l'innovation, des programmes novateurs pour ces réfugiés. Et puis après, et notre partenaire est TechFugees. Nous travaillons avec eux pour mettre à point des bases de données. Et donc, effectivement, le travail que l'on fait avec eux est un travail précoce dès le début de la création. Le deuxième programme, qui est peut-être plus intéressant, est le programme de prêt. Et donc, il s'agit d'un programme qui appuie les entrepreneurs migrants directement dans leur projet. Et il s'agit donc d'un projet. Nous sommes en train de travailler avec trois entrepreneurs. En 2021, nous aurons une procédure de sélection dans le but d'engager, d'impliquer trois entrepreneurs supplémentaires. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes un programme de niche en même temps, dans le sens que nous sommes ouverts aux migrants, aux réfugiés qui issus de différents pays, le besoin, et nous sommes concentrés sur des entreprises qui ont l'ambition d'avoir un impact économique important. Donc, nous sommes ouverts à tout le secteur. Toutefois, nous cherchons des entrepreneurs avec des idées neuves, des idées importantes. Donc, ce n'est pas la petite boîte qu'on cherche. Et donc, à notre sens, donc, il y a une chose qui fait défaut dans le support, dans le soutien qui est donné, parce qu'en fait, il n'y a pas de soutien qui est donné aux entrepreneurs qui souhaitent mener un projet de longue haleine, parce qu'en fait, là, il y a pas mal d'autres projets. Et donc, le processus de soumission est axé sur pas mal d'étapes. Tout d'abord, nous avons un premier contact, donc il y a des formulaires qui doivent être remplis pour avoir une idée générale de projet. Et ils doivent montrer donc le bien fondé de leur concept, ou au moins ils doivent avoir réalisé donc une étude de marché. Donc à ce moment-là, ils ont besoin de fonds pour transformer, pour réaliser donc leur produit. Et le programme de prêt n'est pas qu'un prêt qui est alloué point barre, mais parce qu'en fait, nous avons créé un programme de soutien qui est sur mesure et qui est axé sur les besoins de chaque entrepreneur, parce que les entrepreneurs ne sont pas tous la même chose, et donc nous ne sommes pas une pépinière. Et nous, à notre sentiment, si le projet. Donc, nous assurons donc un soutien de coaching qui peut aider donc l'entrepreneur à développer son projet. Et l'idée donc étant d'aboutir donc à l'investissement. Et donc ça, donc en quelques mots, voilà donc un aperçu de faire. Mais tel que je dis tout à l'heure, la chose la plus importante, voilà donc les tressaillants pour ce qui est tressaillant de faire. Maintenant, je voudrais donner la parole à Gaës, qui a été le premier entrepreneur de notre projet. Donc, Gaës va vous expliquer son parcours et je lui donne la parole. Merci beaucoup, Christina. Donc, oui, Gaës, donc, t'es le bienvenu. Donc, tu peux parler en français. Tout d'abord, je vous félicite. Vous avez déjà eu la réussite grâce à le faire. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre histoire, votre expérience dans votre domaine?
Tu devrais ouvrir le micro. Le micro, guys. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonjour, Maraba, Abi. Merci beaucoup. Bon, dommage, je ne comprends pas l'anglais très bien, donc j'ai échappé plein de choses dans cette conférence tellement précieuse. Je me présente, je m'appelle Raïs, j'ai 33 ans, ça fait en France depuis 2015. Donc, plutôt, j'ai un profil entrepreneuriat depuis quand j'étais en Syrie. J'ai travaillé dans l'entrepreneuriat, après en Liban, j'ai fait une usine sous de vêtements, textile, je suis monté jusqu'à 50 salariés, et après j'ai passé en Turquie, j'ai rien fait en Turquie. Parce que c'était un passage et plus tard, je suis venu en France. Donc, je suis venu avec une idée. Donc, il est né dans le Moyen-Orient. Même je l'ai pratiqué ou je l'ai vu clairement aussi en Turquie. C'est les gens qui ramassent les déchets dans la rue, avec des sacs sur le dos, avec des images. En fait, pour moi, c'est très dur. Mais je dis, ces gens-là, en fait, simplement, ils nous aident à nettoyer la ville. Et pourquoi pas on les aide pour retrouver les intérêts. Et bien sûr, les intérêts, c'est les déchets, si on peut dire. Mais leurs déchets un peu spécifiques, c'est déchets métalliques. Ils ont besoin des métaux. Donc, en France aussi, il y a des gens comme vous exactement. J'ai contacté les entreprises qui jettent les déchets métalliques. Je dis, à partir de maintenant, vous pouvez laisser votre déchet dans mon application. Oui, en plus, j'ai créé une application aussi pour avoir tous ces déchets-là avec l'adresse. Et j'ai contacté ici qui s'appellent en France Manouche, aux gens de voyage, aux gens qui vraiment y tournent pour nettoyer la ville. Donc, je dis avec mon application, vous pouvez avoir un accès simplement pour votre intérêt. Et comme ça, j'ai eu la première personne. La première personne était tellement motivée, il a commencé à gagner plus sa vie. Donc, il a acheté un nouvel camion. Je l'ai accompagné aussi avec l'aide de l'ADI, que Christina tout à l'heure il a présenté. Donc, pour devenir auto-entrepreneur, avoir des papiers en règle, avoir un microcrédit. Et j'ai plus tard un deuxième camion, un troisième camion, et ça circule très bien bouche à oreille. Et maintenant, je travaille avec 5 collecteurs. Il y a 2 auto-entrepreneurs déjà. Et le 3, c'est un projet. Mon rêve est arrivé partout en France. Et maintenant aussi, j'ai mon frère en Turquie. Je lui demandais qu'il étudie bien le tyran là-bas. Et l'espoir qu'on va, à partir de 2022, on lance l'application en Turquie. Et tout, c'est l'histoire. 2019, ça commence avec le contact de Christina, qu'il m'accepte gentiment, me donner un coup de pouce, un petit finance pour commencer. Thank you very much, guys. It's very interesting. An idea coming from Turkey. So I think, voilà, ça c'est une idée très intéressante. Donc une idée qui est née en Turquie, un pays tiers, qui a été développée en France. En fait, ça c'est très intéressant. Maintenant, je voudrais donc passer à la question-réponse avec Christine. La plupart des candidats, donc entrepreneurs, donc quel type de travail est-ce qu'ils préfèrent? Donc, quels sont les secteurs privilégiés? Donc, quel type de travail Donc, est-ce qu'il y a de secteurs pour les nouveaux arrivants? Ça, c'est la première question. Deuxième question, par exemple, à l'aune de ce qu'on... Donc, il y a des entrepreneurs qui sont issus de... qui ne sont pas basés à Paris et qui peuvent peut-être tirer profit de votre projet. Donc, vous avez évoqué donc le partenariat avec Lyon, par exemple. Donc, je voudrais donner la parole à Christina. Oui, merci beaucoup. Donc, pour ce qui concerne donc la première question, en fait, je parle de l'entrepreneuriat. Et
Et en ce qui concerne, je dois vous dire qu'il y a toute une série d'activités. Donc, nous voyons qu'il y a pas mal de projets qui concernent la nourriture. Donc, la nourriture est quelque chose qui nous unit, si vous voulez. Et toutefois, par exemple, une affaire dans les trois projets que nous appuyons, il n'y a pas de nourriture. Et donc, en ce qui concerne l'emploi, les emplois, peut-être Stéphanie de Do It for Job va vous donner une réponse plus approfondie, parce qu'en fait, le point de vue de faire, c'est pas en fait, s'agissant des entrepreneurs, en fait, nous essayons de faire valoir, de mettre en valeur leurs compétences, donc, et afin qu'ils puissent utiliser leurs compétences. Donc, nous sommes là pour promouvoir les entrepreneurs et les aider donc dans leur parcours de succès. Et parce qu'en fait, l'écosystème français parfois est très compliqué. Donc, maintenant, j'enchaîne sur la deuxième question. Donc, nous travaillons avec les entrepreneurs indépendants de votre origine, pourvu que vous soyez basé en France, mais de toute façon, nous travaillons avec les entrepreneurs issus de n'importe quel pays, et nous travaillons notamment aujourd'hui, nous travaillons pas mal en ligne. Par exemple, les soumissions peuvent être envoyées directement via notre site internet. Donc aujourd'hui, on organise pas mal de réunions via la plateforme Zoom. Donc nous avons cette et le deuxième. La deuxième procédure de sélection se fera entièrement via Zoom. Donc, il n'y a pas de ralentissement de notre programme. Et donc, indépendamment de la situation qui existe aujourd'hui, donc on travaille en ligne et en direct. Donc, merci beaucoup, Christina. Donc, merci donc des services qui sont proposés aux nouveaux arrivants en France. Je vois qu'il y a pas mal de... Je pense que pas mal de migrants pourront tirer profit de vos services. Voilà, maintenant je voudrais donner la parole à un autre nouveau. Donc, un autre participant à notre programme, Mustapha, qui est tout juste en face de nous et qui a participé au programme à Toulouse. Et après donc longue carrière dans le domaine de l'éducation mongolie, Mustapha est arrivé ici en France en 2017. Il est arrivé donc en France après quoi? Donc, il est arrivé en Europe. Tout d'abord, donc, il est arrivé en France, à Toulouse, et puis après, il s'est installé à Madrid pour travailler à Madrid, et puis après, il est revenu à Toulouse. Est-ce que, Mustapha, tu peux expliquer ton projet? Quels sont les conseils à donner aux nouveaux arrivants? Merci beaucoup, et merci beaucoup aux participants. En fait, tel que vous avez dit, j'ai habité en Mongolie et puis après j'ai quitté la Mongolie. Lorsque j'étais en Mongolie, je travaillais comme dirigeant dans une école internationale. Et puis après, donc, je suis arrivée ici en France. Donc, après avoir vécu pendant 23 ans en Mongolie, donc j'ai dû quitter ce pays. Un pays magnifique pour ceux qui aiment la nature. Et c'est un pays très beau et avec des gens ravissants, un pays très accueillant.
Et je pense qu'il faut très bien visiter la Mongolie, mais malheureusement, j'ai dû quitter la Mongolie avec ma famille. Et je me suis installée ici, à Paris, et puis après, à Toulouse. J'ai étudié français à l'université, et donc je suis devenue étudiant. J'ai créé donc ma boîte et mon entreprise. Et puis après, je me suis installée à Madrid pendant un certain temps. Et à Madrid, j'étais administrateur dans une école internationale. Pendant cette époque-là, pendant cette période-là, Et tel que j'ai dit tout à l'heure, je travaillais dans une école internationale comme administrateur à Madrid. Et maintenant, j'ai essayé de créer donc un programme. J'appuie les étudiants, normalement en anglais. Mon objectif est d'évoluer. Ma femme m'aide dans cette activité parce qu'en fait, ma femme travaillait en tant que conseiller de carrière auprès des écoles internationales, des écoles privées. Voilà donc pour ce qui me concerne. Merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci donc aux participants de m'avoir écouté. Voilà, merci Mustapha, merci beaucoup. Pour ceux qui me concernent, je voudrais vous dire que, en fait, en principe, on aurait dû avoir un autre intervenant et vous avez peut-être entendu parler de cette institution, Barof, qui est une institution qui travaille avec les gens, en fait, avec les migrants demandeurs d'emploi. Donc, il a accepté notre invitation très poliment, mais malheureusement, il nous a envoyé un message. Il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a eu un petit accident de ski. Voilà, maintenant, nous avons un autre intervenant qui vient de Bruxelles, M. Kunku. Je voudrais le présenter. En fait, M. Kunku est un migrant français et donc il est arrivé en France lorsqu'il avait 9 ans. Et donc, il a fait donc une partie de son éducation en France. Puis après, sa famille s'est installée aux Pays-Bas. Donc, il a continué son éducation aux Pays-Bas. Il a un diplôme universitaire des Pays-Bas. Il y a quelques années, donc, il s'est installé à Bruxelles. Et maintenant, il est président de l'unité basée à Bruxelles. Et il est aussi un membre fondateur de la Confédération européenne des entreprises, des entrepreneurs issus de l'immigration. Monsieur Kunku, est-ce que vous voulez nous expliquer votre expérience de vie? Et donc, peut-être vous pouvez donner des conseils aux nouveaux arrivants, étant donné que vous êtes arrivé 40 ans avant. Merci beaucoup, Emre. Merci de m'avoir invité. En fait, je suis le participant le plus âgé dans cette réunion. Je suis très content d'être parmi les jeunes ambitieux, des entrepreneurs jeunes. Pas seulement, en fait, des entrepreneurs qui sont aussi des entrepreneurs au niveau social, au niveau politique et au niveau culturel. Effectivement, je suis né en Turquie. Et j'avais 9 ans lorsque ma famille a décidé de s'installer en France. Au début, en fait, ma famille était très pauvre parce qu'en fait, on était des migrants économiques. Et donc, la première chose que le migrant
essaie de faire est de trouver une solution et de lutter contre la pauvreté. Et donc, nous avons commencé par, avec mes frères, et nous avons donc créé deux sociétés, deux entreprises avec mes frères. Et j'étais très jeune, j'étais la seule qui pouvait parler français. Mon père et ma mère ont travaillé dur. Mes frères et mes sœurs nous ont aidés dans ces entreprises, mais on était bien dans les années 70 et vous pouvez bien imaginer les difficultés qui se passaient à l'époque parce qu'en fait, on ne connaît rien, il faut découvrir les choses, donc il faut lutter contre l'incertitude, il faut lutter contre vous-même. Il faut avoir de l'autostime pour être en mesure de créer de la valeur ajoutée dans un pays qui n'est pas le tien. Et donc, j'adore la France, j'adore tous les pays où j'ai vécu. Et j'aime bien ce pays parce qu'en fait, ce pays nous a donné des opportunités de réaliser nos rêves. Donc, nous sommes partis de la Turquie parce qu'on avait des rêves. Et puis après, dans ce pays, on a trouvé des opportunités pour réaliser nos rêves. Il faut être honnête, bien entendu, il y a pas mal de discrimination, il y a pas mal de populisme en Europe. Mais la plupart des Européens accueillent les nouveaux arrivants. Pendant toute ma vie, j'ai essayé de réussir dans mon travail, mais j'ai aussi pris des initiatives, pas seulement pour moi-même, mais des initiatives pour la société dans son ensemble. Donc, tous ces gens sont altruistes de par nature. Qu'est-ce que cela signifie? Ces gens souhaitent créer de la valeur ajoutée, pas seulement pour leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt de la société. Donc, il faut donner des opportunités aux nouveaux arrivants afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et ces rêves concernent aussi les pays européens, les pays qui les accueillent. Je suis amoureux de l'Europe. Et je me bats tous les jours pour avoir une Europe meilleure. En 1998, je me suis installée aux Pays-Bas. J'ai fait mes études de sociologie. Après mon diplôme, j'ai commencé le doctorat à l'université. Et quels sont un doctorat sur l'entrepreneuriat des migrants en Europe? Quels sont donc les éléments qui permettent le succès et qui justifient l'échec? Quelles sont les initiatives qui peuvent être entamées pour assurer les opportunités les plus adéquates pour créer de la valeur ajoutée pour le pays d'accueil? Voilà, donc si le pays d'accueil, donc le pays de l'avenir, eh bien, on va investir dans ce pays. Donc, nous avons créé l'association on a créé donc une association pour représenter donc les intérêts des migrants entrepreneurs, pour créer un écosystème. Cela est pour appuyer donc ces personnes qui sont très courageuses, qui souhaitent avoir, et donc le but étant de créer des emplois et de créer une valeur ajoutée dans les pays d'accueil. 4 ans plus tard, il y avait déjà 8 associations d'entreprises qui représentaient les migrants. Donc, si vous avez donc le courage, donc en 2010, lorsque je me suis installée à Bruxelles pour créer la confédération qui représente, j'ai déjà trouvé 52 associations d'entreprises issues de pas mal de pays tiers et qui souhaitent donc fédérer, unir les efforts.
Donc, il faut être unis, donc il faut être ensemble pour un objectif très important. Donc, et votre motivation va renflouer les autres. Donc, on a besoin d'énergie, on a besoin de synergie. Il faut jouer une symphonie, si vous voulez, une symphonie pour créer une valeur ajoutée pour l'Europe. Et donc, 52 associations d'entreprises qui se sont unies en 2010 pour créer une confédération, une confédération. Et FEDIF est l'une de ces associations. Donc, les gens ont commencé à se faire confiance lorsqu'ils ont compris qu'ils pouvaient changer la donne. À cet égard, je pense que l'unité, unity est en anglais. Et donc, il faut être ensemble pour être des êtres humains, pour être civilisés. Donc, je ne peux pas exister sans les autres. Donc, on a besoin que l'Europe puisse comprendre que la diversité n'est pas une charge, n'est pas un problème. La diversité, donc, est la solution. La diversité est quelque chose de nécessaire pour être humain et pour créer une civilisation qui est respectueuse. À cet égard, Unity est devenue donc la maison des entrepreneurs migrants en Europe. Donc, c'est un catalyseur pour avoir un écosystème en Europe. Donc, Unity a entamé des projets. Et des projets, nous sommes aussi des partenaires dans le projet Mars. Mais on n'est pas seul, on ne travaille pas seul, on n'est pas une île, parce qu'en fait, Mars est un projet avec pas mal de partenaires issus de différents ethnies, mais de toute façon, on est unis parce qu'on partage la même mission. Et la mission de Unity est de réunir les gens. Et Unity crée une culture sociale novatrice, une nouvelle culture économique. Et donc, lorsqu'on vient du Moyen-Orient et lorsqu'on crée une entreprise de technologie aux Pays-Bas, donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut ouvrir notre regard, il faut ouvrir notre mentalité donc pour saisir l'importance de ce talent. Et nous avons besoin de ce talent pour l'avenir de l'Europe. Oui, en fait, ces gens peuvent changer la donne. Donc, et nous avons besoin de les appuyer, mais surtout il faut leur faire confiance. Donc il faut leur permettre de réaliser leurs rêves. Et voilà. Je voudrais terminer donc par, lorsqu'on parle donc de l'entrepreneuriat des migrants, le sentiment est d'avoir donc de petites boîtes de kebab. Et donc, on va recevoir, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de boîtes d'entreprises de technologie qui peuvent être créées. Et mon père me disait, trouver ta voie. Donc, ce n'est pas que ma façon. Moi, je dirais que nous pouvons être unis et lorsqu'on est unis, on peut aller de l'avant. Donc, il faut faire attention à la peur, parce que la peur, la peur peut déboucher sur la souffrance. Et donc, il faut lutter contre la peur. Il faut lutter contre cette peur de l'inconnu.
Il faut donc découvrir la magie de la diversité. Oui, j'apprécie beaucoup la magie de la diversité, donc je la sens. Je sens donc cette diversité dans mon cœur. Et la seule place où l'on peut sentir avec notre cœur, c'est bien de regarder à travers les yeux de notre cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Merci. Je vous renvoie la balle. Thank you very much, Mr. Kongju. It's very. Merci beaucoup, Monsieur Kongju. En fait, merci de vos propos très intéressants. Merci donc d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et puis après, donc nous avons donc. Je voudrais maintenant donner la parole à Nouraï. À Nouraï. Il va nous parler de son expérience. Nouraï vient d'arriver en France, donc elle est arrivée là il y a 3 ans. Est-ce que nous allons donc écouter une autre expérience de famille? Je donne la parole à Nouraï. Et après Nouraï, on va terminer. Vous avez la parole. Bon après-midi à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier donc les organisateurs de cette réunion, donc de m'avoir invité, et merci aussi de m'avoir donné la parole. En fait, c'est un honneur que d'avoir la possibilité, l'opportunité donc de vous parler de mon histoire. Est-ce que je serais ravie si je pouvais donc apporter ma contribution à cette réunion. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Nouraï et j'ai 3 enfants. Et je suis professeure d'anglais. Je suis arrivée en France. Il y a 3 ans, nous avons dû quitter donc notre pays en raison de problèmes politiques. Dans mon pays d'origine, nous étions accusés donc d'être des terroristes parce qu'en fait, on était contre le gouvernement. L'année passée, en fait, on avait toujours la peur d'être enlevé ou torturé par les agents du gouvernement. Donc, la situation a été insoutenable. C'est pourquoi on a décidé de nous installer en France. Il a été. Voilà, je peux vous dire que, en fait, elle a été très difficile, notamment pour les enfants. Lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons été accueillis par un couple français et, en fait, on est devenus amis. Par la suite, nous avons été chez eux pendant un mois. Cela nous a permis donc d'établir des relations avec d'autres Français sans avoir peur. Cela nous a donné aussi la force d'aller de l'avant dans ce pays. Et puis après, ce que l'on fait maintenant, eh bien, je travaille dans une association, je donne des cours d'anglais et avec mon mari, nous avons le certificat d'anglais niveau B2. Et mon mari travaille dans une éducation publique, dans un établissement d'éducation publique. Et ça, c'est très important pour
mon mari pour pouvoir travailler donc dans un établissement scolaire en France. Eh bien, il y a pas mal de choses qui doivent être soulignées parce qu'en fait, pendant la période d'intégration, la France nous a donné un soutien économique, un soutien psychologique parce qu'en fait, il y a pas mal d'associations, d'organisations, comme par exemple Codico ou d'autres associations encore qui nous ont vraiment aidés et nous avons pu apprendre le français, par exemple. Working in an, some of the association, nous, nous sommes donc nous avons commencé à collaborer avec des associations, par exemple nous aidons donc les nouveaux arrivants aussi dans l'apprentissage de français et à l'avenir ce que nous souhaitons faire est d'améliorer, donc de continuer donc dans ce parcours d'amélioration et d'aider aussi les autres, les nouveaux arrivants. Par exemple, aider les parents, éduquer leurs enfants. Et pour terminer, peut-être notre futur sera ici dans ce pays. Au début, ça a été difficile, bien entendu, mais peut-être, mais par la suite, tout s'est bien passé. Donc, merci de votre invitation. Merci beaucoup, Nouraï. Nous avons beaucoup apprécié votre intervention, et tout comme les autres intervenants. Et les autres participants. Voilà, je voudrais souligner ça, cela. En fait, je vois cette situation. Ce pays, la France, vous accueille tout le monde, les nouveaux arrivants. En tant que nouvel arrivant, moi-même, au début, parce qu'en fait, je suis arrivée il y a 15 ans, en fait, j'ai vu qu'il y a pas mal d'opportunités au niveau social, au niveau professionnel. Et ce projet essaye de trouver une solution pour une solution et de dégager un parcours qui doit être emprunté pour déboucher sur un emploi. Sur un emploi, bien entendu, il y a d'autres objectifs qui doivent être atteints pour avoir une société inclusive. Voilà, pour aujourd'hui, voilà, je voudrais remercier tous les participants. Notre programme s'arrête là, donc la première partie s'arrête là et nous aurons une deuxième partie le 24 mars et c'est quelque chose qui a trait à l'éducation. Et aujourd'hui, donc nous allons... Nous vous attendons donc pour dans la réunion du 24 pour parler de l'éducation qui doit être assurée aux nouveaux arrivants aussi donc et voir quel est le rôle de l'école de l'éducation et donc c'est le sujet qu'on va aborder dans le prochain webinaire. Nous aurons des responsables scolaires, des dirigeants scolaires et d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Mais c'est une question qu'on va aborder le 24 mars à l'occasion de notre deuxième séminaire. Et merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Merci.